pour la télé. OK, bien. Merci d'être venu. Merci de rendre cet événement possible par votre présence. Merci beaucoup à Myrtia Tmiris de nous accueillir. Merci à tous les autres lieux aussi. J'ai été concentré sur le lieu ici, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés partout. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais mardi soir, je suis venu à Myrtia Tmiris pour leur demander si on pouvait faire quelque chose ici. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on m'a donné un oui inconditionnel. C'est un pas tout à fait vrai. En fait, on m'a posé deux questions. On m'a posé une première question qui est assez critique ici à Myrtia Tmiris. On m'a demandé vous attendez combien de gens exactement, parce qu'il faut qu'on prévoie assez de bière. Authentique, c'est vrai. Et puis après, il y a une deuxième question qui est arrivée. Et je dois dire que c'est une jolie voix féminine qui l'a posée. Et puis, c'était « Est-ce que Jérémy Zimmerman va être présent? » Donc, voilà. Le lendemain, sur IRC, dès que j'ai allumé mon PC, j'ai tapé « sudo apt get install conférence Jérémy Zimmerman moins Myrtia Tmiris. » Et voilà, il est là. Il est venu nous interpréter des chansons de Rage Against the Machine, si j'ai bien compris. C'est ça? Voilà. Bon, ben, je te laisse parler. Merci. Fuck you, I won't do what you tell me. J'espère que tu as vérifié l'origine du certificat quand tu as installé ce paquet. Parce que voilà. Je suis ravi que ça se fasse ici et pas exactement comme prévu. Parce qu'ici on est un peu plus les uns sur les autres, on est un peu plus à se voir, à se rencontrer, à se parler, et j'ai l'impression que c'est de ça dont on a besoin en ce moment aussi, parce que c'est un petit peu ça la force de nos mouvements, de nos communautés, d'être capable en 4 jours de faire clac pouf et d'une annulation faire quelque chose de nouveau, de potentiellement encore plus intéressant, en tout cas quelque chose de différent. Cette capacité d'adaptation est impressionnante et doit être saluée autant que tout le reste. Merci Myris, merci papa, maman, tout le monde. Enfin, c'est très chouette. Oui, le titre un peu en forme de troll, Rage Against the Machine. Je vais pas vous raconter trop ma vie non plus, mais ça partait d'une espèce de constat assez amer que j'ai fait il y a quelques temps. En me rendant compte que moi, jeune nerd que j'ai pu être dans les années 90, fasciné par la technologie comme beaucoup d'entre nous ont pu l'être, découvrant les internets, des petits éclairs dans les yeux, tombant littéralement amoureux des internets et de tous ceux qui avaient de l'autre côté, ne jurant que par ça, voyant la solution à tous les problèmes de l'humanité dans les internets et les ordinateurs, eh ben, je suis tombé de la commode. Je suis tombé de mon arbre, et je pense qu'on a tous eu un petit peu un sentiment comme ça autour de 2012, autour des révélations. Je déteste appeler ça des révélations, ça donne un caractère religieux, voire carrément messianique à ce pauvre Edward Snowden qui a rien demandé. Mais depuis que ces documents ont été révélés, vous avez peut-être, comme moi, porté un petit peu attention. Outre les annonces et les trucs un petit peu tonitruants. Au contenu même des programmes de la NSA, et notamment un programme qui s'appelle Bull Run. On a beaucoup parlé de Prism. Prism, vous vous rappelez, c'est l'accès open bar à toutes les données de Google, Facebook, Apple, Microsoft, toutes les données de tout le monde, tout le temps, par les services de renseignement et leurs myriades de partenaires publics et privés. Donc c'est-à-dire la fin de la vie privée sur nos comportements sur Internet, la fin de la vie privée sur les données qu'on échange, sur nos communications, sur ce que l'on lit, ce que l'on fait. Mais Bull Run est tout aussi important et intéressant que Prism. Bull Run, c'est 250 millions de dollars par an utilisés par la NSA pour aller activement prendre le contrôle des technologies permettant de sécuriser les données, de sécuriser les communications.
Ça veut dire la NSA qui se débrouille pour avoir un pied dans toutes les portes et dans toutes les fenêtres. Pour s'assurer que si une technologie existe, qu'elle est commercialisée, qu'elle est distribuée, qu'elle est mise sur le marché et qui annonce qu'elle va protéger les données ou qu'elle va protéger les communications, ça veut dire s'assurer qu'en fait non. S'assurer que la NSA et donc le bon million de personnes qu'il peut y avoir autour de cette espèce de complexe cyber-militaro-industriel plus ou moins flou, que ces gens-là continuent d'avoir accès à ce que l'on est censé protéger. Et quand on a regardé le contenu du programme Bull Run, on s'est aperçu qu'il y avait là une palette gigantesque de modes d'action pour la NSA. Vous imaginez, un budget de 250 millions par an, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. Le truc le plus flagrant, le plus abject, c'est la corruption pure et simple. C'est donner 10 millions de dollars à l'entreprise RSA, qui fait des produits de chiffrement, des produits de sécurité, pour leur dire « vous laissez un trou de sécurité ouvert, parce que nous on l'aime bien ce trou de sécurité ». Donc au passage, si la NSA l'aime bien, c'est peut-être dire aussi que les Russes et les Chinois l'aiment bien, ou qu'une bande de malveillants à la petite semaine vont aussi bien l'aimer. Donc on voit là la démarche de la NSA qui, au nom d'une hypersécurité, se retrouve à affaiblir la sécurité de tout le monde. Ça, c'est un exemple. C'est donc la corruption active d'entreprises qui sécurisent les communications. Mais on a vu aussi des choses beaucoup plus insidieuses que ça. On a vu la NSA qui a donc, au travers de Bull Run, infiltré des standards, des comités de standardisation. Donc des réunions officielles dans lesquelles des représentants industriels, étatiques se réunissent et discutent de comment arriver à des standards pour sécuriser les données, pour sécuriser les communications. Et là aussi, la NSA arrivait avec un pied dedans, en disant « non, mais ça, on va le rendre un petit peu plus facile, un petit peu ceci, un petit peu cela ». Ça voulait dire « on va faire en sorte qu'on puisse le casser plutôt qu'essayer de le rendre inviolable ». On a vu ça, et donc un nombre assez conséquent de modes d'action. On sait qu'ils ont aussi infiltré des équipes de développement, où là, tout simplement, il doit s'agir de faire recruter quelqu'un, générer le CV idéal, et envoyer la bonne personne au bon endroit se faire recruter, ensuite s'assurer que toutes les trois lignes de code, il y en ait une dans laquelle il y a une petite farce, un petit œuf Kinder, qui permet à la NSA de rentrer dedans quand elle le souhaite. Et donc, quand on déroule ça, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une entreprise de sabotage actif de la technologie, de toute la technologie, de tous les outils que l'on utilise. Et si Prism, la liste des participants est bien connue, Microsoft, Apple, Facebook, Google et compagnie, dans Bull Run, c'est beaucoup plus flou, mais on a vu des entreprises comme Motorola, Qualcomm, Intel, Cisco, des gens qui fabriquent le hardware, des gens qui font le matériel, des gens qui font les puces dans les téléphones, les puces dans les ordinateurs, les puces dans les réseaux. Et on s'est aperçu que c'est donc tous les ordinateurs, quelle que soit leur forme, qui soient posés sur un bureau, sur les genoux, dans la poche ou dans un data center, tous les ordinateurs, quels qu'ils soient, qui ont été activement sabotés. Et c'est ça l'ère Snowden. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui, depuis qu'on a pris connaissance de ces documents-là. C'est un monde dans lequel la technologie dans laquelle on avait tant confiance, dans laquelle on avait tant foi, qui était notre ami, ces ordinateurs que l'on pouvait comprendre, ces ordinateurs que l'on pouvait apprendre, ces ordinateurs qui nous apprenaient à apprendre, sont en réalité aujourd'hui des instruments de contrôle, des instruments d'oppression, qui sont en pratique devenus nos ennemis, qui sont tournés contre nous. Voici cette Rage Against the Machine dont on parlait tout à l'heure. Je me suis aperçu que moi, technophile, nerd, enthousiaste, je commençais à haïr les machines. Je commençais à haïr les ordinateurs. Si c'est pas un comble, ça. Et la première forme que ça prend, ça, c'est que de plus en plus souvent, je vais activement faire en sorte d'être offline, complètement offline. C'est-à-dire avec la batterie du téléphone sortie, pour avoir une vraie conversation, dire des choses importantes et m'assurer qu'il n'y ait pas, par inadvertance, un truc qui puisse enregistrer ou quoi, parce qu'on n'a pas vraiment moyen de le savoir aujourd'hui. Mais j'ai de la chance, j'ai un de ces ordinateurs de poche dont on peut encore retirer la batterie. Et ce n'est plus le cas de bien des machines qui sont vendues aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai voulu ouvrir cette discussion ici, et j'ai vu qu'on m'avait mis
un créneau d'1h30 alors qu'il n'y a pas forcément enfin j'avais pas pensé j'ai de toute façon pas pensé occuper tout ce temps là j'ai surtout envie de lâcher le micro et d'ouvrir ça dans une conversation la plus ouverte possible avec vous tous parce que ici il y a beaucoup de gens qui sont comme moi j'ai pu l'être vraiment le nez dans la technique les bras sous le capot à fond de ça et j'aimerais avant tout vous entendre là-dessus. Mon idée c'était comme la NSA a mis une bonne quinzaine d'années à obtenir ses budgets quasi illimités et à obtenir ses accès quasi illimités avec toutes ces entreprises-là pour arriver à subvertir, à saboter toutes, tous les appareils, tous les ordinateurs, toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Ça partait d'une stratégie très, très précise qui devait être écrite bien avant le 11 septembre 2001 jour où la justification de toutes ces choses-là est devenue politiquement évidente, tout parallèle avec une situation politique en France ne serait hélas pas tout à fait fortuite. Cette stratégie de la NSA était quelque chose de pensé très 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 en avant. Pour que au 11 septembre 2001, ou 6 semaines après quand le Patriot Act a été adopté, pour que le Patriot Act ait déjà été écrit le 11 septembre 2001, il a fallu se pencher dessus bien avant. Et donc il a fallu se projeter à un moment où il aurait été inacceptable aux États-Unis d'Amérique de mettre en œuvre la surveillance de tous les citoyens et de tous les citoyens du monde et d'aller tout casser et d'aller s'infiltrer partout. Et bien au moment où c'était inacceptable, des gens ont réfléchi, se sont réunis et ont créé cette réalité. Ont créé cette réalité et l'ont projetée. Ils l'ont projetée tellement forte qu'ils en ont fait la réalité et que cette réalité aujourd'hui s'exporte. Eh bien, j'ai l'impression que ce fait d'établir une vision et d'établir une stratégie est quelque part quelque chose qui manque dans nos communautés. On se nourrit de cette merveilleuse diversité que fournit le logiciel libre. On est dans cette coopétition dans laquelle on agit chacun avec les autres, mais en même temps chacun dans la direction de notre choix, et quelque part l'histoire tranche. C'est peut-être Kazaa, c'est peut-être Emule, c'est peut-être BitTorrent, ça devient BitTorrent, c'est peut-être Debian, c'est peut-être Ubuntu, c'est peut-être Devuan, et un truc émerge au fil du temps. Mais pour autant, je pense que cette approche, cette nature qui est la nôtre, n'est pas incompatible avec le fait de temps en temps de sortir le nez du guidon, de réfléchir en termes stratégiques, de se demander quel pourrait être notre monde idéal, comment on aimerait y arriver, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on peut pas, et de là de former une vision, et surtout de partager une vision. Alors, vaste programme, j'ai absolument pas prétention à faire ça, ni en 1 heure, ni en 1 heure et demie, ni en toute une vie, mais je pense que ce sont des objectifs essentiels aujourd'hui, si l'on arrive à reconnaître que l'on est en train de perdre pied, que l'on a énormément perdu de terrain face à nos adversaires, et qu'il est aujourd'hui indispensable de réagir et de reprendre du terrain, de reconquérir nos libertés, de reprendre ou juste de prendre tout simplement le contrôle de ces machines que nous avons perdues. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une discussion qui, pour une fois, pour ceux qui me connaissent, ne sera pas une discussion qui portera sur les sujets politiques ou législatifs immédiats. Je ne vais pas parler de loi, je ne vais pas parler du gouvernement, je ne vais pas parler du 12, du 13, du 14 novembre, ni du projet de loi qui a été adopté hier. Merde, je suis en train d'en parler. L'idée, c'est de parler en termes plus génériques, en termes politiques, certes, mais en termes politiques plus génériques. De parler en termes technopolitiques. De parler ensemble de cette interaction entre la technologie et la politique. C'est quelque chose que nous, les nerds, on a particulièrement tendance à oublier. On a une grande capacité à oublier. Vous savez, sans caricaturer, que faire du code ou s'impliquer dans la conception, la mise en œuvre de systèmes d'information, c'est des choses qui nécessitent parfois une grande concentration. Donc parfois des esprits un petit peu introvertis qui ont une grande capacité à se projeter sur une tâche. Mais parfois, le revers de cette médaille-là, c'est quand on est complètement projeté, quand on est un one-man army, quand on est un homme orchestre ou une femme orchestre d'un projet particulier, d'une tâche en particulier, ben on a parfois tendance à oublier de lever le nez
et de regarder ce qu'il y a autour. Eh bien, le pari que je fais ici, c'est qu'on a peut-être aujourd'hui tous besoin de lever le nez et de regarder autour et d'interconnecter un petit peu ce que l'on voit autour. Donc, trois points principalement. Qu'est-ce que c'est que cette machine que l'on déteste aujourd'hui ? Comment s'en libérer ? Qu'est-ce que ça veut dire se libérer aujourd'hui ? Et troisième point, une liste indéfinie, incertaine, de pistes de réflexion basées sur des cas d'utilisateurs, sur des use cases, comme on dit en bon français, et des modèles qui peuvent nous permettre à peut-être de penser comment articuler tout ça ensemble. Comment la machine est devenue ce qu'elle est devenue ? Comment la machine est devenue un outil de contrôle ? Comment les ordinateurs, tous les ordinateurs que l'on a aujourd'hui, sont des instruments d'oppression, ou en tout cas des outils dans lesquels on ne peut pas avoir confiance. Et cette notion de confiance, je crois, doit être au cœur de nos réflexions. Vous le savez parce que vous êtes ici, il y a un truc qui est évident, c'est le logiciel propriétaire. Vous m'avez pas attendu pour en entendre parler. Vous avez tous vu Richard Stallman peut-être parler déjà avec son charmant accent, dire que le logiciel propriétaire, c'est le logiciel privateur, c'est le logiciel qui prive de vos libertés. Je sais, je fais très mal Richard Stallman. Qu'il me pardonne s'il voit ça un jour, si on lui dit. Par définition, ce logiciel propriétaire, ce logiciel privateur, c'est celui qui ne permet pas à l'utilisateur de savoir ce qu'il fait. Si toi, utilisateur, dis « moi, j'aimerais bien savoir ce que Windows fait quand je détecte un paquet qui sort de mon réseau juste après avoir mis mon numéro de carte de crédit et je comprends pas bien », on te répond « secret professionnel, secret des affaires ». C'est pas le code source, c'est pas comme si c'était la recette d'un plat que t'étais en train de manger, c'est pas comme si on était obligé de mettre la liste, au moins la liste des ingrédients, sur la boîte. Non, 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 c'est juste notre secret, on ne le révèle pas, mais de là, en ne le révélant pas, on ne révèle pas le fonctionnement. Donc on maintient l'utilisateur dans une espèce d'ignorance artificielle, à but commercial, mais aussi, on le voit, à but politique. Donc cette propriétarisation des logiciels, elle est évidente pour tout le monde. Le fait est qu'on a vu, dans cette même période, d'une quinzaine d'années environ, une propriétarisation croissante du matériel. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien vu passer, parce que c'est d'autres compétences que celles qu'il y a d'habitude chez nous. Quand on parle de matériel, en plus, on va parler de matériel qui est de plus en plus petit, de plus en plus fin. C'est de la gravure, je ne sais pas, à 20 nanomètres aujourd'hui. Des trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment minuscules, dont la capacité industrielle à les fabriquer n'existe, je crois, même plus ou presque plus en Europe. Il me semble que ST Microelectronics vient de racheter une usine qui fait du 22 nanomètres ou un truc comme ça. Mais bref, on sait en Europe presque plus faire du hardware. Et ce qui s'est passé, c'est que le hardware aujourd'hui est déjà de base caché par ce secret industriel où on vous dit non, vous ne pouvez pas savoir comment fonctionne le hardware parce que c'est notre secret, parce que c'est nos brevets, parce que c'est nos machins. Mais en même temps que ça, ce qui s'est passé est que le hardware est de plus en plus devenu dépendant de ce qu'on appelle le firmware, c'est-à-dire du logiciel contenu dans le matériel. Parce que c'est devenu pas cher du tout. On a pu réserver dans chaque puce, dans chaque élément de hardware, des zones qui sont reprogrammables, qui sont programmables et reprogrammables. Là où ça coûtait très cher il y a 10 ans de faire du hardware qui contenait une partie programmable ou reprogrammable, aujourd'hui c'est devenu le standard. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'ordinateur s'allume, chaque puce dedans, chaque morceau de matériel va lire à l'intérieur d'elle-même un morceau de logiciel qui va s'exécuter, qui va être d'une certaine façon contribué à l'ensemble des logiciels que peuvent être le système d'exploitation. Ce que ça veut dire, c'est que cette limite entre le matériel et le logiciel n'existe quasiment plus en pratique. Et que ces parties reprogrammables du matériel le sont depuis le système d'exploitation, donc depuis le logiciel. Donc un logiciel malveillant, par exemple, peut venir réécrire ce logiciel embarqué, ce firmware dans le hardware, pour le transformer en un logiciel malveillant, ce qui fait que la prochaine fois qu'on va allumer l'ordinateur, ce logiciel dans le hardware va se charger et lui-même aller réécrire un bout du système d'exploitation. Ont été documentées il y a quelques années des attaques informatiques comme ça, qui étaient basées non seulement sur un piratage
du BIOS de l'ordinateur, mais aussi du contenu, du firmware, d'autres puces. Et le diagnostic de ces chercheurs en sécurité, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il faut détruire le matériel si on a le moindre soupçon. Et à moins de développer des outils matériels qui permettraient de lire le contenu des firmwares de toutes ces puces, qui impliquerait déjà d'enlever peut-être une cinquantaine de vis et de passer une heure avant d'être capable de le faire, à moins de faire ça, on ne peut même pas savoir que ce genre d'attaque existe. Donc, du matériel qui se propriétarise, mais qui aussi devient lui-même mouvant, flexible et qui repose sur du logiciel propriétaire, là encore, qui vient se mélanger avec notre joli logiciel libre. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on a beau utiliser tous les logiciels libres que l'on veut utiliser dans notre système d'exploitation, dans la partie utilisateur, dans la partie que l'on contrôle, si on a l'ombre d'un de ces logiciels qui existe et qui est du logiciel propriétaire, alors on perd potentiellement le bénéfice d'utiliser du logiciel libre. Ce que l'on a vu aussi, qui est tout aussi terrifiant, c'est la miniaturisation et les systèmes on a chip. Les systèmes on a chip, c'est ce que vous avez dans tous vos ordiphones, comme on dit au Québec. C'est-à-dire une puce qui est vendue par un fabricant et qui fait à la fois le microprocesseur, la mémoire, potentiellement le Wi-Fi, potentiellement l'accélérateur vidéo, etc., etc. Et donc, c'est une puce qui a toutes ces fonctions-là, ce qui rend encore plus difficile le fait de comprendre son fonctionnement et qui rend quasiment impossible ce qu'on pouvait faire très fréquemment il y a 15 ans avec nos ordinateurs, savoir sortir la carte Wi-Fi, mettre une autre carte Wi-Fi, sortir la carte réseau, mettre une autre carte réseau. Vous vous souvenez de ces gros Lego qui coupaient les doigts, mais dans lesquels on avait encore une capacité à changer la nature du matériel. Là, de plus en plus, ce matériel est intégré. Et pour couronner le tout, on a maintenant, donc, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui plus de gens qui accèdent à l'Internet avec ces bidules-là qu'avec des ordinateurs tels qu'on les connaissait ou tels qu'on les connaît encore plus traditionnels? C'est que ces architectures informatiques-là, ces ordinateurs-là, apportent une, je ne sais pas s'il faut appeler ça innovation ou une régression, qui est que par principe, par design... Une puce existe à l'intérieur pour être hors de contrôle de l'utilisateur. Il y a deux microprocesseurs, il y a deux cerveaux là-dedans. Il y a le cerveau utilisateur sur lequel vous avez vos applis et vos machins et les photos et tout ça. Et la puce dite baseband, la puce modem, celle qui communique avec l'extérieur, celle qui est accessible depuis l'extérieur pour qui contrôle le réseau. Et cette puce-là a été faite pour ne pas obéir à l'utilisateur. Dans le jargon de certains des fabricants, la puce utilisateur s'appelle la puce esclave, là où la puce modem s'appelle la puce maître. Et vous avez un bon exemple de ça, c'est quand votre ordinateur est objectivement éteint, l'écran éteint, enfin ça paraît éteint, et bien vous recevez un coup de fil, boum, le truc va s'allumer, l'écran s'allume, la sonnerie se met à sonner, il reçoit donc une commande depuis le réseau qui lui dit allume le cerveau, allume la machine. Donc ces trucs-là sont maintenant faits pour recevoir des commandes à distance au travers d'une puce encore plus fermée que les autres, qui est la puce maîtresse, qui accède à toute la mémoire et à tous les composants. C'est donc une architecture de contrôle qui est aujourd'hui dans toutes les poches. Et ça, c'est une des caractéristiques les plus effrayantes de ces machines. Je suis en train de me retenir pour ne pas la lancer contre la dalle de béton qui est ici. Une autre des caractéristiques, évidemment, ce sont les services centralisés. Toute votre vie, tous vos faits et gestes, every breath you take, every move you make, envoyés chez Google. C'est, comme le disait Edward Snowden, vos pensées au moment où elles se forment quand vous les tapez sur le clavier. Donc les lettres d'un brouillon que vous effacez, une faute d'orthographe, que vous tapez dans un champ Google ou dans un nouveau mail Gmail ou dans n'importe quel champ texte d'une de ces pages-là, la moindre frappe de votre clavier avec la milliseconde où vous l'avez tapé est enregistrée et transmise à Google. Si vous écrivez « cher connard » puis effacez pour dire « cher monsieur » parce que ça défoule, ça laissera une trace écrite quelque part dans Google. Si vous tapez en étant un peu bourré, avec les doigts qui gigotent un peu, et que vous faites un peu plus de fautes d'orthographe que la moyenne, statistiquement, Google a moyen de savoir qu'à ce moment-là, vous êtes bourré. Il n'y a aucune raison, rien ne justifie
que l'on envoie les brouillons et les fautes d'orthographe dans une entreprise US, dans des data centers qui soient en Californie ou ailleurs. Et donc là, c'est une tendance de ces applications et des gens qui les font tourner. Est-ce un hasard si Google, Facebook, tout comme Palantir, ont eu parmi leurs premiers financeurs InQtel, qui est un fonds d'investissement de la CIA? C'est encore une autre histoire. Mais que ces entreprises en viennent à aller chercher nos fautes d'orthographe parmi tous nos comportements pour tout enregistrer tout le temps. Là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Et ces cavernes d'Ali Baba de données que l'on est en train de bâtir à notre insu, tout ce travail gratuit que les uns et les autres sont en train de faire pour ces entreprises, est quelque chose qui est déjà en train de se retourner contre nous. Peut-être vu cette statistique tout à fait amusante que une personne de 19 à 29 ans sur 10 s'est déjà vu refuser un boulot en France pour quelque chose qu'il ou elle avait posté sur les sites dits de réseaux sociaux. Donc on commence déjà à voir des applications pratiques chez les gens qui ont peut-être le moins fait attention, qui sont le plus habitués et qui sont le moins posés de questions sur le fait de donner toute leur vie à ces entreprises-là. Mais imaginez le potentiel, tout simplement le potentiel politique d'accumuler sur les uns et les autres des données sur tout ce qu'ils ont fait de ces 2, 5, 10, 20 dernières années de leur vie, toutes les pages web qui ont été lues, tous les profils qui ont été juste regardés, ceux qui ont été regardés et cliqués, ceux avec qui on a parlé, ceux avec qui on a arrêté de parler, à quelle fréquence on a parlé, etc. Imaginez accumuler 10 ans de la vie de quelqu'un sous cette forme-là et que ce quelqu'un se présente contre vous à une élection. Ou que ce quelqu'un cherche à s'organiser dans un mouvement démocratique pour aller changer telle ou telle situation. Ou que ce quelqu'un aille, je sais pas, projette d'aller marcher dans une marche qui a été interdite pour revendiquer plus d'écologie ou je ne sais quoi. Donc imaginez le potentiel de ces choses-là. On est au balbutiement de l'utilisation de ces profils. Et l'utilisation de ces profils, elle se fait avec des algorithmes prédictifs. Et là encore, c'est une technologie naissante. J'évoquais rapidement Palantir et des entreprises comme ça qui sont aujourd'hui évaluées à plusieurs milliards de dollars. C'est un des business les plus lucratifs qui existent aujourd'hui dans ces métiers dits du data, du big data, du big brother, je ne sais même pas comment il faut les appeler. C'est les algorithmes prédictifs qui vont donc se nourrir de toutes ces masses de données, de tous ces profils, pour dire, ah bah tiens, lui là-bas, il a une chance d'avoir un cancer des poumons. Comment on sait ? Eh ben, on sait qu'il a parlé du cancer des poumons de son frère, on sait qu'il fume des cigarettes, on sait qu'il est allé dans tel bar qui est un bar fumeur, on sait que, etc., etc. Et par rapport à 10 000 autres personnes dont on sait qu'ils ont eu des cancers des poumons, on voit qu'il a fréquenté des gens pareils, qu'il a mangé des trucs pareils, qu'il a vu des pages web pareilles. Et donc, on prédit que cette personne va faire ceci et cela. Donc, pas besoin d'évoquer des films de science-fiction comme Minority Report pour imaginer ce que des dirigeants politiques pourraient faire avec ces algorithmes prédictifs. Là encore, on n'en est qu'au début. Et donc, ça, c'est les caractéristiques de ces machines. Donc, du logiciel propriétaire, ça, vous le saviez déjà. Du matériel propriétaire contenant du software fabriqué pour être tourné contre l'utilisateur, des services hyper centralisés. Tout ce que cela veut dire, mis bout à bout, c'est déjà une énorme complexité. Par rapport à un Amstrad CPC 6128, un Atari 1024 STE, un Amiga 500, et pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle ici, c'est très bien, vous êtes du bon côté de l'histoire, vous n'êtes pas des vieux cons. Les autres, on en parlera autour d'une bière tout à l'heure. Ces machines-là de nos jeunesses, il y a à peine une vingtaine d'années, aujourd'hui la Super Nintendo a 25 ans, des machines comme ça étaient accessibles dans le sens que quelqu'un avec beaucoup de temps devant lui, pas mal de caféine et peut-être quelques prédispositions, était capable de l'ouvrir et avec des outils grand public, d'aller regarder patte par patte, puce par puce, ce qui passait, d'aller comprendre le circuit et d'aller en comprendre l'intégralité du fonctionnement. On a perdu cette capacité-là.
On a perdu cette capacité-là, déjà parce que le matériel est propriétaire et qu'on ne sait même plus l'ouvrir ou regarder ce qui passe entre ses pattes, mais aussi parce qu'une bonne partie du traitement ne se fait plus sur notre ordinateur et se fait sur les ordinateurs de ces services centralisés auxquels on n'aura jamais accès. Donc une grande, grande, grande complexité sur laquelle on n'a plus la main. Ça, c'est une des caractéristiques essentielles de l'informatique transformée en un outil de contrôle social, de l'informatique transformée en un outil d'oppression, en un auxiliaire des autoritarismes. Cette complexité, elle va de pair avec une ignorance artificielle. Le fait qu'on ne nous laisse pas accès aux spécifications, que on ne nous laisse pas comprendre les puces, qu'on ne nous laisse pas comprendre les logiciels, génère de l'ignorance. Le fait que l'on se retrouve comme deux ronds de flanc devant cette complexité infinie, c'est aussi le fait que personne, aujourd'hui, n'est capable de percer cette complexité-là. Peut-être même pas l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, qui est censée protéger l'information des ministères et des opérateurs d'importance vitale. Même Bruce Schneier, même Chuck Norris, même une armée clonée de Chuck Norris et de Bruce Schneier serait incapable de comprendre ce qui se passe entre Google et vous quand Google vous propose une pub ou que vous envoyez un email ou que n'importe quoi d'autre, tellement cette complexité repose sur cette ignorance artificielle. De là, et ça c'est pour la première partie du tableau, donc celle qui est vraiment la plus noire, c'est qu'est-ce que c'est que cette machine que l'on a presque aujourd'hui un devoir humain, un devoir moral, un devoir politique de détester. Deuxième partie. Ça veut dire quoi se libérer ? Ça veut dire quoi se libérer aujourd'hui ? Je vous rappelle que le logiciel libre que l'on célèbre ici, que l'on célèbre chaque année à Toulouse, à Paris, au Brésil, aux quatre coins du monde, ce logiciel libre a été conceptualisé il y a plus de 30 ans maintenant. Alors certes, Richard est particulièrement en avance sur son époque, à ce cerveau différent qui lui a permis de voir ces choses-là, de se projeter et de projeter une vision politique de tout ça avant tout le monde. Quand en 1982, Richard Stallman expliquait que le logiciel pouvait servir à asservir ou à libérer, les gens devaient le regarder avec d'encore plus gros yeux et encore plus comme s'il était venu de la Lune qu'ils le regardent aujourd'hui. Imaginez. Le fait est que cette vision du logiciel libre date d'une époque où les logiciels étaient moins complexes, où le hardware était du hardware qui restait à sa place, qui n'était pas mélangé au software, et où surtout les efforts de ce complexe cyber politico-militaro-industriel n'étaient pas tout entiers tournés pour saboter la technologie et la tourner contre nous. Et c'est un fait essentiel, immense, et je pense qui est un petit peu passé sous le radar de beaucoup d'entre nous, où quelques semaines, je crois, après qu'Edward Snowden soit devenu... soit devenu public, bref, après que ces documents aient été publiés. Quelques semaines après, c'était les 30 ans du projet GNU. Les 30 ans, du projet GNU ou de la Free Software Foundation ? Je ne sais plus. Je crois les 30 ans de la Free Software Foundation. Et bref, coïncidait de façon assez cosmique les 30 ans du GNU, l'apparition dans le public d'Edward Snowden et le 30e anniversaire d'Edward Snowden. Edward Snowden est né la même année que le logiciel libre est venu 30 ans après, l'année de ses 30 ans, nous expliquer que cette vision du logiciel libre était la bonne, était la seule qui permettait de libérer les individus et de libérer les collectifs à l'ère du numérique. Une grande nouvelle donc qui est passée sous le radar lors de cet anniversaire, c'est la Free Software Foundation qui annonce que désormais, un des objectifs de la Free Software Foundation sera de garantir la protection de la vie privée contre la surveillance. Ça ne datait pas d'Edward Snowden, c'était une réflexion qui était en cours depuis longtemps à la Free Software Foundation. Elle a juste été cristallisée, elle s'est juste matérialisée pour cette annonce, pour ces 30 ans. Et là où pendant des années,
On pouvait se dire, non, mais bon, la surveillance, là, c'est autre chose, c'est politique. Nous, on fait que des logiciels. Nous, on n'est que des informaticiens. Nous, on s'occupe pas de ces choses-là. Eh bien, boum, c'est une version 2.0, 3.0 de la vision du logiciel libre qui tombe sur la table et qui nous dit, le logiciel libre, ça sert à ça. Ça sert à se libérer contre la surveillance. Ça sert à se libérer pour protéger sa vie privée. Et c'est ça que l'on doit faire ensemble. Alors, j'ai absolument pas prétention à venir compléter cette vision du logiciel libre. Elle est déjà très complète comme elle est. Et référez-vous au site de la Free Software Foundation. Il y a énormément de choses à lire là-dessus. Ce que je veux dire, et ce pourquoi je prenais cet exemple-là, est que c'est pas seulement qu'on peut se le permettre, mais qu'on a sans doute le devoir de mettre à jour nos visions en fonction des réalités technopolitiques que l'on constate. Et que de la même façon qu'il est devenu essentiel d'utiliser le logiciel et donc le logiciel libre pour se protéger contre la surveillance et pour protéger sa vie privée, il y a quelques autres éléments qu'il faut, je pense, aujourd'hui avoir en tête, et à mettre en œuvre. Déjà, les services décentralisés. Si ça ne fait pas officiellement partie de la mission de la Free Software Foundation, on a vu tout de même qu'au cours de ces dernières années, elle a fait accéder au rang de projet prioritaire des projets qui allaient dans ce domaine-là. Donc les services décentralisés, ça ne sert à rien que je rajoute quoi que ce soit après la conférence de Framasoft sur dégoogler les internets, parce que du coup vous voyez très bien ce que ça veut dire et donc très bien à quoi ça sert. Mais les services décentralisés, c'est pas juste du logiciel. C'est du logiciel, mais c'est aussi des serveurs. C'est des serveurs, c'est donc du hardware. C'est des serveurs, c'est donc de l'administration. C'est donc du temps bénévole. C'est donc des compétences. C'est tout ça, mais c'est aussi, et certains vous diront peut-être encore plus que le reste, c'est aussi de la promotion. C'est aussi en parler et trouver des moyens que les gens avec qui on a envie de parler utilisent les services que l'on utilise nous. Sinon, on sera le petit village d'Astérix. Même si l'image est charmante, le petit village d'Astérix, jusqu'à preuve du contraire, il est quand même bien entouré de l'Empire romain. Donc l'idée est que ce village d'Astérix puisse grandir, puisse s'interconnecter avec d'autres villages, puisse donner à d'autres villages qui sont eux au cœur de l'Empire romain l'idée de se libérer et de se concocter sa potion magique et de... Bon, je vais arrêter l'analogie ici. Tout ça pour dire que les services décentralisés, c'est pas que du code, c'est pas que du hardware, c'est pas que du bénévolat, c'est pas que de l'argent qu'il faut contribuer à Framasoft pour les aider à continuer. C'est aussi de l'huile de coude, c'est aussi des efforts intellectuels qui iraient dans toutes les directions pour inviter, pour inciter, pour... j'aime pas le terme, il est vraiment sale... communiquer et pour rendre visible ce qui aujourd'hui est invisible. Les économistes, dans leur science molle et leur grand cynisme, parlent d'effet réseau. L'effet réseau qui serait un des critères principaux pour évaluer la valeur d'un produit ou d'un service. C'est pas la même chose avec un baril de lessive, mais avec un logiciel de dessin vectoriel ou un service en ligne. Que vous ayez 10 utilisateurs ou 1 milliard d'utilisateurs, c'est pas du tout la même chose. La valeur de votre produit, même si c'est exactement le même logiciel que vous le vendiez à 10 personnes ou à 1 milliard de personnes, eh bien, il vaudra beaucoup plus parce que ça veut dire que les gens, vous pouvez leur pousser des trucs, vous pouvez leur tirer des trucs, etc. Donc cet effet réseau, c'est quelque chose que l'on ne sait pas émuler, que l'on ne sait pas créer de toutes pièces. Même des gens comme Facebook, etc., ont quelque part eu de la chance, peut-être, d'être là avec les bons financements, avec les bons investissements au bon moment pour être en capacité de faire ça. Mais je crois que personne n'est capable de prédire ce qui fait qu'un service a du succès ou non. Tout ce que l'on sait faire, c'est essayer. Et tout ça pour dire que se libérer aujourd'hui, ça n'est certainement pas, et encore moins qu'hier, se contenter d'écrire du code. Et j'ai envie d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens se sentent frustrés, voire se sentent handicapés de ne pas être coché la mention appropriée, un codeur, un génie de l'informatique, un ingénieur, un ceci ou un cela. Et beaucoup de gens, quand on va parler de logiciel libre, vont dire « Oh là là, là logiciel, oh là, mais attends, non, non. Ouh, moi je ne suis pas programmeur, moi ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas,
Je ne suis pas dedans, je ne suis pas X ou Y, donc je ne peux pas participer. Et ça me renvoie à mes années de militance au sein de l'April, où justement, on avait de cesse d'expliquer aux gens que le logiciel libre, ça n'est pas que du code. Ça n'est pas que du logiciel. Pour que votre logiciel libre existe, vous avez besoin d'un site web, de gens qui vont se faire chier à faire du web design, à faire de l'intégration, à maintenir du coup un truc sur un coin de serveur. Il faut des gens pour faire des logos. Il faut parfois des gens pour faire des campagnes et lancer les campagnes. Il faut faire des campagnes de financement. J'ai dû en faire une dizaine avec la quadrature du net. Il n'y a rien de plus pénible au monde que de courir à poil avec une plume dans le cul en tendant un chapeau en disant « donnez-nous des sous pour qu'on continue à faire ce qu'on fait avec passion ». Je vous jure, c'est ingrat, c'est infect, ça empêche de dormir la nuit. Et on a énormément besoin de ça. Mais on a aussi énormément besoin de gens, comme on vient de le dire, pour parler de tout ça, pour faire sens de tout ça. Et pas seulement dire bon, on est charmant le nez dans nos claviers, on est charmant avec nos habitudes d'informaticien, on est charmant avec nos histoires de querelles, de clochers, de VI versus IMAX, etc. Mais très souvent, on tourne en boucle. Oui, installez la version 3.14 du module BZX28 de la PTGET install. Mais on a perdu 50 000 personnes en chemin. Comment vous voulez aller expliquer ça à un paysan sur le plateau de 1000 vaches qui pourtant ne peut pas saquer les Américains, qui ne peut pas saquer l'autorité, qui ne peut pas saquer le fait de centraliser les choses. Il est plus que n'importe qui capable de comprendre que le logiciel libre, c'est le logiciel des humains, c'est le logiciel du partage, c'est le logiciel du travail que l'on fait ensemble, c'est le logiciel de la liberté. Il est plus que n'importe qui capable de comprendre ça. Mais si on lui explique avec des versions 3.14 du module BZX28 de la PTGET install, on n'ira pas. Et donc, pour ça, il faut faire du sens. Et pour faire du sens, il faut discuter, il faut réfléchir, il faut prendre une bonne bouteille, des copains qui ne sont pas forcément tous informaticiens. Et il faut réfléchir, il faut déconner. Je pense que c'est... Je ne dis pas ça parce que je les connais, mais je pense que quand Framasoft a sorti un dégooglons l'Internet avec un village d'Astérix, ben je pense qu'il y a eu quelques litres de bière ou de rouge associés pour avoir l'idée, pour déconner, pour essayer. Et se dire, on va faire ça comme ça. Et ça marche extrêmement bien. Maintenant, ça, c'est pour la partie rigolote, la partie à laquelle tout le monde peut contribuer. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, d'où que vous veniez, et pas seulement parce que vous êtes là assis dans cette salle, vous pouvez contribuer au logiciel libre. Ça, c'est déjà une certitude avec laquelle, si vous ne l'aviez pas déjà, il faut que vous repartiez chez vous ce soir. Maintenant, il y a un certain nombre de besoins qu'on n'a pas vraiment évalués et qui sont peut-être tout aussi cruciaux que ceux-là et qui sont là pour le coup pas rigolos du tout. On a besoin d'audit. Et quand je parle d'audit, les gens dont c'est le métier ici de faire de l'informatique doivent immédiatement avoir les épaules qui font « Ah !» et se dire « Oh putain de merde !» parce que ça fait chier tout le monde les audits. Les audits, ça veut dire... prendre quelqu'un qui n'a pas le nez dans le clavier, qui n'a pas le nez dans le code, et qui va être payé à lire votre code. C'est un petit peu comme faire venir quelqu'un chez vous pour ranger votre maison à votre place. Ce n'est pas agréable pour vous, et ce n'est pas agréable pour la personne qui va le faire, et il y a très peu de gens qui veulent le faire. Et contrairement au fait de ranger la maison de quelqu'un d'autre, pour le coup, là, c'est des compétences qui sont rares et qui coûtent très cher. Vous vous souvenez peut-être de la faille Heartbleed dans OpenSSL. Est-ce que c'était un de ces trous de sécurité mis en œuvre par la NSA ou est-ce que la NSA s'est débrouillée pour que ce trou de sécurité reste après l'avoir détecté? Ça, déjà, on le sait que pendant au moins un an, la NSA aurait été en capacité de nous aider à fermer ce trou et la laisser ouvert. Heartbleed, c'est un trou de sécurité qui affectait, je crois, 500 des entreprises du Fortune 500. 500 des 500. C'est un truc qui devait affecter 40 des entreprises du CAC 40. 70 du CAC 70, il y avait un CAC 70. Bref, tout le monde qui faisait du business ou pas utilisait OpenSSL pour sécuriser ses communications. Et il y avait dedans un trou béant depuis 2 ans dans un logiciel libre. C'est un truc qui a fait le plus de mal en termes d'image au logiciel libre depuis bien longtemps. Mais le problème ici, ce n'est pas le logiciel libre. Ce n'est même pas tant la qualité des gens qui ont fait ce code d'OpenSSL. En fait, il y a un vrai problème avec ça parce que ça a démarré comme un projet étudiant qui s'est très vite structuré dans une espèce de fondation mais qui était un machin de briques et de brocs qui reposait sur 3 bouts de chandelle.
La vérité, mon interprétation de la vérité, c'est que le mois où Heartbleed a été détecté, où ce logiciel utilisé par 500 des entreprises du Fortune 500 était troué, le budget de OpenSSL, c'était $4,000. Donc même pas le salaire de deux développeurs à temps plein, avec les charges. Comment vous voulez, dans ces conditions-là, produire du logiciel à l'épreuve des balles, à l'épreuve des milliers de personnes qu'emploie la NSA pour aller activement le couler, le trouer, le détruire? Bon, une partie de la solution, c'est de faire des audits. C'est d'embaucher des gens pour faire ce travail-là à la place des gens d'OpenSSL, s'ils sont de toute façon trop le nez dans leur code, pour le faire. Mais c'est quelque chose qui coûte une fortune. Et là, c'est quelque chose que l'on peut, que l'on devrait être capable de mutualiser. Alors voilà, il y a l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, avec des clairons, avec des drapeaux, avec des vrais morceaux de militaires dedans, qui depuis la loi de programmation militaire de 2013 ont désormais des... 2014. Ont désormais des missions de défense. Donc qu'est-ce que ça veut dire la défense quand on parle de cyberattaque? Et est-ce que la meilleure des défenses, là aussi, c'est pas aussi justement l'attaque? Et que va faire l'ANSSI? Et quelle confiance accorder à l'ANSSI? C'est encore d'autres questions. Mais le fait est qu'ils ont au moins 300 hackers brillants employés à plein temps pour sécuriser les infrastructures vitales de la France et des Français. Comment se fait-il qu'une entité comme l'ANSSI ne dédie pas beaucoup plus de ressources qu'elle n'en dédie aujourd'hui pour faire des audits publics de ces logiciels libres dont on dépend tous pour la sécurité de nos données et de nos communications? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises du Fortune 500 qui dépendent de ces logiciels libres ne mettent pas 0,01% de leurs bénéfices dans un fonds qui ferait avancer la technologie, qui permettrait de renforcer la sécurité des logiciels dont on dépend, et donc de les auditer et de contribuer comme ça? Qu'est-ce qui fait que nous, à la fin de l'année, quand on va donner 10 euros à Wikipédia, 10 euros à Framasoft et 10 euros à la Quadrature du Net, on n'est pas un endroit où on puisse mettre 10 euros pour justement aller contribuer à faire des audits de sécurité? Là, c'est une grosse faille dans notre dispositif qui est celui du logiciel libre. C'est pas chaque projet libre dans son coin qui est en capacité de faire ça. Il faut mutualiser des ressources et il faut mutualiser beaucoup de ressources. Il faudrait entre 10 et 100 fois plus de ressources qu'il y en a aujourd'hui allouées pour faire des audits de sécurité, notamment faire des black box audits. Vous prenez le système, vous le mettez dans une boîte, vous regardez ce qui entre, regardez ce qui sort, vous secouez la boîte et vous faites ça jusqu'à trouver des trucs plus ou moins louches. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là, qu'il faut se poser les questions en ces termes, de quelles sont les compétences que l'on voit aujourd'hui manquer et que l'on se doit de mutualiser. Le développement des logiciels libres, c'est quelque chose qui est important, mais on a peut-être négligé le développement du développement des logiciels libres. Et là encore, trouver des ressources à mutualiser, et pas seulement des ressources financières, pour rajouter de la force d'intelligence, de la force de calcul, de la force de cerveau disponible sur les projets de logiciels libres existants et sur les projets de logiciels libres que l'on pourrait estimer ensemble comme étant prioritaires pour protéger nos libertés, pour protéger nos communications et nos données. Qu'est-ce qui fait que l'État français, lorsqu'il fait un grand emprunt et va balancer des milliards sur des technologies à la Mormoile Schtroumpf, qui au bout du compte vont de toute façon retomber dans l'escarcelle de Orange, de Bull, de Capgemini, de Thales, et toujours les mêmes, et qu'on nous parle du clown souverain ou de machin comme ça, d'autres concepts fumeux. Madame Axelle Lemaire qui coupe des rubans en mangeant des petits fours, en faisant la star de l'innovation des startups et machin. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas des dizaines, des centaines de millions d'euros tout chaud pour arroser les projets de logiciels libres, leur permettre de se structurer, d'embaucher des développeurs, d'embaucher des designers, d'embaucher, de contribuer à faire des audits de sécurité? Et là aussi, c'est quelque chose que l'on doit mutualiser, je pense, que l'on peut mutualiser, qui implique peut-être d'aller faire pression sur les pouvoirs publics et de le faire pas nécessairement à l'échelle nationale,
Si ça se trouve, c'est des choses que l'on peut commencer très modestement à l'échelle d'une municipalité, d'une communauté de communes, d'une région, ou insérer le nom de votre couche de millefeuille administratif ici. Et c'est développer le développement des logiciels libres. C'est mutualiser les ressources, mais aussi mutualiser les dynamiques, mobiliser les énergies pour comprendre que ce logiciel libre et du coup ce hardware libre et du coup ces services décentralisés, ce chiffrement de bout en bout, sont la seule façon d'investir correctement les ressources de l'État. Là aussi, je salue évidemment le travail de l'April depuis des années qui s'investit dans ce domaine-là, mais on a très souvent l'impression que l'April est un petit peu toute seule, que ce travail se fait dans les antichambres, sous la moquette, que ça reste un petit peu un travail d'expert, que c'est très centralisé sur Paris, alors que là encore, c'est quelque chose auquel on peut tous contribuer. Je regarde l'heure parce que j'avais dit que je ne parlerais pas trop et merde. Donc, pour ouvrir, et ce sera mon troisième point que je vais essayer de faire un petit peu plus court, j'ai envie de discuter avec vous de use case, comme on dit en bon français, donc des cas, comment on dirait, pas des cas d'école, des cas d'utilisateurs, et des cas d'usage, merci bien, de cas d'usage qui nous permettent peut-être de penser un petit peu différemment la façon dont on crée, dont on développe, dont on améliore, dont on contribue au logiciel libre, au système libre en général. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le cas de la Freedom Box. Vous avez peut-être vu cette conférence brillantissime d'Eben Moglen, brillantissime, en 2010, qui s'appelait Freedom in the Cloud, dans lequel Moglen explique une vision pour la liberté des services et des communications sur Internet. Et quasiment mot à mot, ce que Moglen dit en 2010 dans cette conférence, ce qu'il a développé un petit peu différemment dans une autre conférence brillante que je ne peux pas m'empêcher de citer ici, en 2012 à Republica, qu'il faut regarder aussi, je vous invite vraiment à rattraper du Moglen si vous avez manqué ça. Ce que Moglen explique en 2010 est mot à mot encore valide aujourd'hui. Il a écrit ça, il a dit ça avant Edward Snowden, ça reste valide aujourd'hui. Ce que fait Moglen à ce moment-là, c'est précisément créer et projeter une vision. Et cette vision est encore valide, est encore la nôtre aujourd'hui. Alors, il y a une différence entre la vision Freedom Box et le projet technique Freedom Box. Freedom Box est devenu un projet technique que je suis depuis quelques mois sur la mailing list, qui a l'air un petit peu mourant, il y a plein de gens de bonne volonté qui tirent tous dans une direction. L'idée de la Freedom Box, c'est de faire un petit serveur personnel, une petite boîte, un petit appareil que l'on arriverait à rendre à peu près aussi cool qu'un iPhone, qu'on brancherait sur la prise murale, qu'on brancherait sur la machine box de l'autre côté, et qui ferait tout, y compris le café. Sur lesquels il y aurait notre serveur mail, notre serveur d'image, notre serveur de chat, qui nous ferait notre serveur de VPN pour chiffrer les communications, qui ceci, qui cela. Vous l'avez vu peut-être avec la conférence précédente, Why You Know Host. Why You Know Host, mais aussi la brique Internet. Je crois que Taziden, s'il retrouve sa voiture à la fourrière, en parlera et nous en montrera, je crois qu'il a il sera dans le coin. La brique Internet, pour le coup, c'est un autre projet qui est né il y a peu de temps, je crois il y a un an ou deux, qui, à mon avis, et je n'ai pas rencontré s'il y a parmi vous des briqueux, j'aimerais qu'on parle de tout ça autour d'une bière tout à l'heure. Pour moi, la brique Internet, c'est un projet qui est né de cette vision de la Freedom Box. Même si ce n'est pas écrit comme ça, même s'il ne s'en revendique pas comme ça. Ce qui montre bien que cette glorieuse diversité qui est celle du logiciel libre n'est pas incompatible, au contraire, avec le fait de créer de la vision et de projeter de la vision. Et qu'une fois que la vision est là, on peut avoir 1, 2, 3, 10, 20 projets qui vont essayer de la mettre en œuvre, chacun à sa façon, et qu'au bout d'un moment, on arrivera peut-être à quelque chose. Donc ça, c'est une articulation entre... C'est parti d'un use case, c'est parti d'un cas d'usage, qui disait « je veux avoir mes services et mes données chez moi pour que si les flics y accèdent, ils soient obligés, c'était aux États-Unis, d'avoir un mandat de perquisition ». En France, ça n'existe pas, même si dans les mauvaises séries, tous les policiers en parlent. Ce serait une commission rogatoire. Bah, aujourd'hui, avec l'état d'urgence, bon. Ok. La vision initiale, c'était celle-là, de dire « si des flics veulent accéder à mes données, alors je veux pouvoir le savoir ». Je veux lire leur papier, voir le coup de tampon et leur dire « ben, entrez ».
Donc là, on est parti d'un cas très très pratique, très très concret. C'est un type, c'est pas par accident. Moglen a été programmeur dans les années 70. Aujourd'hui, il est avocat. Donc c'est un type qui s'est basé sur un point de droit, sur un point politique et de droit, pour se dire maintenant, je veux un système informatique qui me permette de mettre en œuvre ce point de droit. Et bien ça, je pense que c'est une façon particulièrement juste de penser les systèmes et surtout de penser des systèmes qui viendront pour nous libérer. Un autre cas très très concret, c'est Tails. Qui ne connaît pas Tails ici ? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il y a une petite moitié de la salle ici qui ne connaît pas Tails. Là où on aurait posé la question il y a 3 ans, ça aurait été 99% de la salle qui aurait levé la main. Tails, c'est The Amnesiac et Incognito Live System. C'est une clé USB que vous bootez dans n'importe quel ordi. Vous avez peut-être déjà booté un live CD Ubuntu ou une clé USB Ubuntu un jour dans votre vie. C'est donc comme un live CD, sauf que c'est une live clé USB. Sauf qu'elle a ça de particulier que lorsque vous l'arrachez de la machine, si par exemple on vous vole votre laptop pour essayer de récupérer les données, il y a une technique qui s'appelle la cold boot attack et qui permet, si on prend votre ordinateur allumé, qu'on le plonge dans l'azote liquide, qu'on sort sa barrette de RAM et qu'on lit sa barrette de RAM avec un lecteur de barrette de RAM, on arrive à obtenir tout le contenu de la mémoire quand vous utilisiez votre ordinateur, y compris vos mots de passe. Game over. Même si votre disque dur est chiffré, même si tout est chiffré, la RAM, elle, ne l'est pas. Boum. Donc, Tails, c'était pensé pour réagir à ça. Quand vous enlevez la clé Tails de votre ordi, au lieu de s'éteindre, Tails va charger un autre noyau qui va d'abord écrire toute la mémoire avec des données aléatoires avant d'éteindre la machine. En espérant comme ça que le temps qu'on prenne votre barre de mémoire pour la tremper dans l'azote liquide, ou inversement, le contenu de la mémoire a été remplacé. Quand vous êtes sous Tails, toutes vos données passent au travers du réseau Tor. Vous avez accès à un navigateur qui laisse le moins possible de surface d'attaque pour des attaques à distance. Il y a Pidgin pré-configuré pour utiliser OTR, le chiffrement, etc., etc. C'est donc un système d'exploitation qui a été conçu pour avoir l'état de l'art des technologies libres pour sécuriser les communications et qui a été pensé pour ce cas précis d'être utilisé sur un ordinateur acheté à $100 en cash et pouvoir faire une fois une communication pour des journalistes qui veulent parler à leurs sources, pour des activistes dont la vie est menacée, pour des dissidents qui veulent faire sortir une information, ou aujourd'hui pour tout un chacun qui veut juste qu'on lui foute la paix. On a un système d'exploitation, alors c'est pas non plus la panacée, il faut surtout pas se faire d'illusions sur Tails. Quand en 2012, la NSA, dans les slides de Snowden, était très emmerdée par Tor et par Tails, si depuis 10 fois plus de gens utilisent Tor et utilisent Tails, vous pouvez être sûr que la NSA a investi de sacrés moyens pour être en capacité de les casser. Donc là, mon but n'est pas de dire que Tails, c'est la sécurité et on est tranquille. Au contraire, je pense qu'on va au-devant de gros problèmes à trop faire confiance à Tails. Mais vous voyez l'idée que c'est un ensemble de logiciels libres qui a été rassemblé, comme on le fait dans une distribution, non pas pour des considérations purement techniques, non pas pour des considérations purement affectives, comme ça se fait d'habitude dans les projets de logiciels libres, mais pour des considérations purement politiques et pratiques. Un cas d'usage qui est aider des dissidents, aider des journalistes, aider des gens dont la vie est menacée, et que le produit de cette réflexion soit un ensemble de logiciels libres packagés. J'aimerais donner quelques exemples encore. Donc voilà, Why You Know Host et la brique Internet. Pond, P-O-N-D, et un logiciel de cryptographie écrit en Go par Adam Langley, qui est le chef cryptographe de chez Google. Donc ça fait 2 raisons d'être suspicieux. Mais Pond implémente des concepts cryptographiques absolument géniaux. C'est le truc le plus excitant, je crois, depuis OTR. Pond, c'est comme un logiciel de mail, sauf que vous êtes anonyme au serveur. Le serveur ne sait pas qui vous êtes. Il est anonyme par rapport au serveur, mais aussi on n'a pas moyen de savoir que vous communiquez avec Pond. Il est censé être résistant contre des attaques en analyse de trafic. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Bref, Pond, là aussi, répond à un use case qui est « je veux communiquer avec des gens et que seulement ces gens-là et moi puissent savoir qui nous sommes et que nous communiquons ».
Et ben en vrai, ça, c'est un problème mathématique. Et donc, c'est un outil cryptographique, c'est donc une mise en œuvre de mathématiques qui vient, là encore, répondre à un problème humain, politique, précis. Le Neo 900, projet super intéressant qui vise à faire revivre des vieux téléphones Nokia N900 avec une nouvelle carte mère qui serait du hardware libre. Et on pourrait avoir un petit peu le contrôle sur la fameuse puce baseband qui du coup serait reléguée au statut de puce esclave plutôt que de puce maître, qui là encore parle d'un point très précis qui est on veut un téléphone où on pourrait éventuellement avoir confiance. Et de l'autre côté, sur l'aspect téléphonie, Bayard doit en parler, peut-être même qu'il en parle en ce moment même, je sais pas, zut, il y a le projet Réplicante. Et d'ailleurs, s'il y a des gens du projet Réplicante parmi vous, là aussi, je veux vous payer une bière tout à l'heure et qu'on parle. Mais vous êtes peut-être dans l'autre salle avec Benjamin, donc c'est... Bref, vous n'êtes pas là. Donc j'arrête de vous parler, du coup. Réplicante qui a pour but de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans Android, moins ce qu'il y a de propriétaire, essayer de refaire ce qu'il y a de propriétaire en libre pour faire un Android vraiment libre. Ça aussi, c'est potentiellement une brique très intéressante d'un de nos futurs dans lequel on arriverait à se libérer de ces machines-là. Fernvale, aussi, pour les gens qui aiment bien le hardware et le reverse engineering, c'est un projet dingue. C'est Bunny Huang qui a présenté ça au 31C3. C'est un téléphone chinois qui, commandé par 100, vaut 8 dollars. Commandé à l'unité, vaut 12 dollars. C'est une espèce de Kinder Surprise qui existe en rose avec Hello Kitty dessus, qui affiche 3 lignes de texte, mais qui contient à l'intérieur un ordinateur à 300 MHz, avec 64 MB de RAM, avec une puce baseband, avec un lecteur de SD card, avec de l'audio, avec un clavier, avec tout ça, donc beaucoup moins cher qu'un Raspberry Pi. Et il se trouve que le code source de tout ça est disponible pour qui sait faire la bonne requête sur Baidu. Et comme Bunny l'explique, c'est pas « free as free speech », libre comme libre, c'est pas « free as free beer », gratuit comme gratuit, c'est « free as Chinese free ». C'est libre comme dans « chinoisement libre ». À savoir, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire, il y a un zip de 7 ou 8 gigas avec tout le code source de tout et pas la moindre mention de copyright, parce qu'on s'en fout, parce qu'on est chinois et parce que c'est un machin à 12 dollars, donc « who cares ». Donc, Bunny et ses potes sont en train de faire la rétro-ingénierie. Ils sont en train de lire ce code source pour en produire des spécifications sous licence Creative Commons pour permettre à d'autres d'écrire un logiciel libre compatible avec le droit occidental et toutes ces conneries-là. Et donc peut-être que ce joujou à 10 dollars sera une de nos prochaines plateformes libres. Peut-être que ça va être la première fois au monde où on aura un baseband libre et donc une puce que l'on pourra vraiment contrôler pour savoir ce qui se passe sur le réseau téléphonique quand on communique. Pour pouvoir décider de communiquer ou non, décider de ce qu'on envoie sur le réseau, ce serait un changement majeur qui nous permettrait de reprendre une partie de ces communications là en main. Je vais arrêter cette énumération sans fin dans les concepts qu'il faut aussi que nous soyons capables de prendre à bras le corps. Il y a ceux de la défense active, désolé si le terme est un peu effrayant, mais le fait est que on a donc maintenant l'assurance que par 100 façons différentes, la NSA sait entrer dans nos ordinateurs. Qu'ils soient Windows, Mac, GNU, Linux, Open, FreeBSD, machin, 100 façons différentes d'entrer dans nos ordinateurs. Ça peut être en les interceptant quand ils transitent par la poste, pour y ajouter des implants plus petits qu'une pièce de 1 centime, qui seront réactifs à des ondes envoyées à distance, on dirait de la science-fiction complètement paranoïaque, ces machins-là existent. Ça peut être s'introduire à distance avec des proxys transparents mis au niveau du réseau. On pourrait lister ça pendant des heures. Et donc, on sait qu'ils savent nous pénétrer. Et on n'a pas l'ombre d'un moyen de savoir quand ils le font et comment ils le font. Donc, investir dans ce qui s'appelle, chez les professionnels de la sécurité ou chez les gens un peu moins rigolos encore, ce qui s'appelle la défense active, c'est-à-dire des mécanismes qui nous permettent non pas de penser qu'on est blindé pour au bout du compte ne jamais savoir quand on s'est fait trouer, mais juste de savoir quand il se passe des trucs un peu étranges. Quand on se connecte à la page à laquelle on se connecte d'habitude, le certificat est valide mais il est différent.
quand d'habitude on a tant de paquets qui entrent et qui sortent et que cette fois-ci on en a un de plus. Quand il y a tel fichier qui n'a jamais changé sur le disque et qui cette fois-ci vient de changer. Et donc penser des mécanismes qui prendraient tout ça en compte, là aussi j'ai même pas de projet de logiciel libre à évoquer qui fasse ça aujourd'hui, peut-être que vous en avez à contribuer à la discussion. Mais pour boucler, parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps, vous voyez un petit peu l'idée. On a eu raison avant tout le monde avec le logiciel libre. Et c'est toujours difficile d'être dans une position comme ça. C'est difficile d'être dans une position comme ça parce que les gens se foutent de vous, ne vous croient pas, et que c'est un très bon moyen de manquer des occasions et qu'on a manqué plein d'occasions déjà avec le logiciel libre. Mais c'est aussi très difficile d'avoir raison avant tout le monde, parce qu'on peut très vite se conforter dans le fait d'avoir raison, jusqu'au moment où on se retrouve à avoir tort. Et qu'il est essentiel que l'on soit en capacité de mettre à jour notre vision, de mettre à jour notre stratégie, à mesure que se met à jour notre vision du monde. Et à mesure que notre vision du monde présente des réalités technopolitiques qui sont celles de l'oppression, qui sont celles de ces ordinateurs ennemis qui ont été transformés en machines de guerre tournées contre nous, nous ne pouvons plus ignorer ces modèles technopolitiques pour les intégrer dans nos modèles de développement. Mais quand je dis modèle de développement, il s'agit du développement des logiciels, mais aussi du développement des logiciels, aussi de nos développements personnels, de nos développements collectifs, et au bout du compte, du développement du monde que l'on souhaite voir arriver. Je vous remercie, j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre là-dessus. Économisez votre énergie pour vous réchauffer, boire de la bière et contribuer. Moi, j'aimerais vous entendre sur quels sont vos cas d'usage, quels sont vos use cases, ou quels sont vos projets de logiciels libres que vous estimez stratégiques, quels sont vos modes d'action, vos modes de contribution que vous estimez être nécessaires ou négligés ou, allez-y. Je vois une main qui se lève là-haut. Je vais faire de mon mieux, on a un micro volant mais par fil, donc... Une lumière à braquer sur les gens que je vois là. Quelle est la chance ? Quelle est la première question ? Vas-y. Bonjour. Juste peut-être une question. Tous nos ordinateurs actuellement utilisés tournent sous Linux, sous Windows, sous Macintosh. Existera-t-il un jour un système d'exploitation entièrement libre et non verrouillé par la NSA et autres organismes ? Entièrement libre, oui, ça existe déjà aujourd'hui. Entièrement libre, il y a... Alors, comment il s'appelle, celui qui est recommandé par la Free Software Foundation ? Le... mince, comment il s'appelle ? GNUSense, voilà, GNUSense. Certains pourront dire que Debian, sans les paquets non-free, est entièrement libre aussi. Et ça dépend, en fait, de comment vous l'installez, de ce que vous installez avec. Si vous faites le choix de ne pas installer ces firmware propriétaires ou de ne pas installer le logiciel propriétaire du tout avec votre distribution de logiciels libres, alors vous avez un système entièrement libre. Le problème, c'est que si vous continuez d'avoir du matériel qui, lui, contient du firmware propriétaire, alors l'ensemble matériel et logiciel, lui, n'est pas libre. Donc, le problème, c'est que voilà, cette limite entre le hardware et le software s'étant encore plus fragmenté récemment, ça devient hyper difficile. Mais en prenant une de ces machines Olimex qui sont utilisées dans la brique internet avec que des logiciels libres dessus, avec éventuellement un dongle Wi-Fi qui serait d'une puce que l'on peut contrôler sans firmware propriétaire, et vous y êtes. Le but est justement d'arriver à se construire ces systèmes qui seraient matériels et logiciels libres. Et ça, vraiment, c'est pas évident aujourd'hui. Par exemple, le Raspberry Pi, qui est érigé en exemple du DIY, maker, matériel libre, c'est pas du matériel libre. Les designs du Raspberry Pi sont libres, mais contiennent une puce Broadcom, qui est celle du Wi-Fi. Donc un machin qui, là encore, laisse une capacité à distance de se connecter à la machine, qui n'est pas libre. Elle contient un processeur ARM
qui contient du microcode qui n'est pas libre. Donc, votre question est une bonne question et je me permets d'y répondre en l'étendant au matériel. Aura-t-on un jour un système libre ? Ça veut dire aujourd'hui matériel et logiciel. Avec ces trucs Olimex, on commence à avoir un début de piste. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, mais maintenant ça commence à être une relique. C'est le IBM ThinkPad X60. C'est un ThinkPad qui a 12 ans aujourd'hui. Et qui a une génération de processeurs assez ancienne pour qu'il n'y ait pas certaines des saloperies propriétaires qu'il y a dans les processeurs depuis, et sur laquelle on est depuis quelques années en capacité de reprogrammer jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le logiciel originel qui se charge avant même le système d'exploitation et qui est lui écrit donc dans une puce, reprogrammer ce BIOS avec un BIOS en logiciel libre qui s'appelle Core Boot, et donc quelque part donc désosser la machine X60 pour enlever les composants dont on n'a pas besoin pour réduire la surface d'attaque, mettre Core Boot, ensuite mettre que du logiciel libre. Là, on touche à quelque chose où on a quelque chose qui est à 100% libre, matériel et hardware, et qui en plus permet des bénéfices ajoutés en termes de sécurité. Il y a des gens que je ne nommerai pas qui les achètent par dizaines pour les convertir ainsi et pour les donner à des activistes, à des journalistes d'investigation, parce qu'il n'y a que à ce prix. Il n'y a qu'au prix d'avoir une machine entièrement libre, matérielle et logicielle, que l'on pourra un jour à nouveau avoir confiance. Merci pour votre question. J'entends pas. C'est bon. Tout comme pour essayer de déceler des attaques de l'internet vers des serveurs, on a créé des honeypots. Est-ce que on pourrait pas penser aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire créer des identités virtuelles, des choses comme ça, pour justement générer des trafics et générer du bruit pour vérifier effectivement si des communications sont interceptées. Tu as quelque chose à faire dans ces 3 prochaines années ? Non, ça me paraît effectivement être une très bonne idée de projet. Juste, par exemple, les cartographes, depuis très longtemps, font ça, en fait, créent des honeypots dans leurs cartes pour vérifier si des gens ne copient pas l'intégralité des données. C'est-à-dire qu'ils inventent des rues à des endroits qui n'existent pas. Si cette rue existe sur une autre base de données, effectivement, les propriétaires d'annuaires, des choses comme ça, c'est des choses qui sont relativement courantes. Et donc, voilà. Écoute, ça me semble être une très bonne idée d'un projet de logiciel libre, une espèce de compagnon de défense active, un avatar de défense active, une espèce de compagnon virtuel. Maintenant, accroche-toi, Coco, si je peux me permettre de t'appeler Coco. Accroche-toi parce que tu vas devoir feinter ce qui en face sont les algorithmes de Google, de Palantir et de la NSA. À savoir, tu vas faire tourner ton machin sur une machine et tu vas peut-être feinter Google. Sur 10 machines, tu vas peut-être feinter Google. Mais si ça devient aussi utile et important que ça en a l'air et que tu commences à voir 1 million de ces profils générés, eh ben ton algo, il a intérêt à être super balèze pour qu'en 1 milliseconde, Google, Facebook et consorts les identifient pas immédiatement et n'apprennent pas la petite règle de rien du tout qui leur permettra de contrer ton contre. Et ça devient évidemment une course à l'échalote. On a en face des algorithmes très 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 balèzes à contrer, mais voilà, si vous êtes voilà, allez lui parler, allez lui payer des bières à lui, si le projet vous intéresse, on a potentiellement A Star is Born. Bonne idée. C'est juste pour vous demander le nom du truc chinois à 8 euros, là. Truc chinois 8 euros, oui. Je ne sais pas si c'est son nom officiel ou si c'est la façon dont Bonnie l'a surnommé. Ça s'appelle Fernvale, F-E-R-N-V-A-L-E. Et si tu tapes Fernvale et 31C3, tu trouveras la présentation qu'on a faite, Bonnie, au 31C3. Merci. Bonjour. Je voudrais te faire réagir en fait sur les liens qu'il y a à l'heure actuelle entre l'auto-hébergement, la vie privée et la surveillance. Je voulais reprendre un peu l'idée de Jean-Marc Manac, qui explique que lui, en tant que journaliste, finalement, il préfère utiliser le service mail de Google, Gmail, combiné avec JPG, avec Tor, avec des VPN, parce que en fait, il juge que finalement, l'utilisation
massive de Gmail renforce son anonymat puisqu'ils se font dans la masse et qu'après avec des outils de chiffrement comme GPG, comme Tor, bah, je sais que tu, peut-être que tu partages pas son avis, mais enfin, je trouve quand même son exposé relativement intéressant. Je crois qu'il y en a d'autres qui reprennent un peu son idée, notamment Jean-Baptiste Fabre aussi sur son blog, qui explique que l'auto-hébergement finalement, d'une part, t'identifie plus que l'utilisation de certains services comme ça dans le cloud. Et que, donc après lui, Jean-Baptiste Fabre évoque justement après la mise en la mutualisation par des associations, justement pour éviter ce genre de problème de l'auto-hébergement un peu individuel. Mais pour terminer sur cette idée-là, il dit que d'une part, voilà, le fait de se noyer dans la masse, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'autre part, il dit aussi notamment pour le chiffrement avec le protocole SMTP, enfin, qui est particulièrement compliqué, eh bien, il fait plus confiance à Google et à son armée d'ingénieurs qui proposent justement et qui respectent l'état de l'art, plutôt que de l'auto-hébergement avec des gens qui ne sont pas forcément aussi compétents, qui n'ont pas les mêmes moyens que Google. Voilà, je vais te faire réagir là-dessus. Il y a plein de questions en une, c'est passionnant. Alors, j'aime pas jeter de pique à des gens qui ne sont pas dans la salle, mais Manac nous a quand même dit qu'il n'y avait pas de surveillance de masse en France, alors que depuis est arrivée une loi renseignement qui est venue légaliser des pratiques qui sont celles de la surveillance de masse, et qu'on commence à voir fleurir des choses qui montrent que ça fait depuis au moins 2009. Donc j'aime beaucoup Mana, qui fait un très bon boulot sur plein de sujets. Il n'a pas toujours raison. Et en l'occurrence, dire qu'on va être noyé dans la masse en étant chez Google, connaissant l'existence de XKeyscore et de Prism, c'est une connerie. Google, c'est la botte de foin. Et c'est la connaissance de chaque brindille de la botte de foin. On ne peut pas se cacher dans Google. En revanche, là, il y a une réflexion qui est vraiment, qui est tout à fait valide sur la nature de cette décentralisation qu'on appelle de nos voeux et le rôle que l'on veut y jouer. Et je suis d'accord, l'auto-hébergement, c'est le graal, c'est l'objectif ultime. Aller dire à ton tonton, ta tata, ta maman, tiens, voilà une box, maintenant t'as tes mails chez toi, bye bye, c'est suicidaire. C'est comme y aller il y a 15 ans en disant « Tiens, je t'installe Debian, ça marche tout seul, allez, salut !» C'est l'assurance d'avoir un coup de fil dans les 3 heures, dans les 3 jours, dans les 3 semaines. Et donc, en attendant d'avoir la vision Freedom Box d'un machin qui marche vraiment tout seul et qui apporte des services ajoutés et un effet réseau qui fait que quand, avec ta Freedom Box de chez Theta Neutral, et que tu vas envoyer un mail à tes amis de chez Theta Neutral, tu ne vas ne voyager que par Theta Neutral, et là tu auras vraiment un bénéfice manifeste à ne pas faire sortir ta communication. D'ici là, il faut peut-être effectivement regarder à des points intermédiaires de décentralisation. La décentralisation, comme beaucoup de choses dans ce bas monde, c'est pas 0 ou 1. C'est pas ou tout Google ou tout chacun chez soi. Ça peut être à l'échelle d'une bande de potes, ça peut être à l'échelle du Theta Lab, ça peut être à l'échelle de MixArt Miris, ça peut être à l'échelle de telle école d'ingé, de telle promo d'une école d'ingé, d'une bande de potes, qu'on va se louer un serveur et se faire un truc. Mais avant tout, c'est une démarche militante et c'est une démarche politique. Quand Manac a l'impression de se cacher de Google et va chiffrer ses mails et les envoyer chez Google, il sait qu'il laisse quand même plein de metadata chez Google et que donc il va travailler gratuitement quand même par Google, il va enrichir la Google, il va contribuer à la Google, et quand des gens vont se dire, mais regardez, un type qui s'intéresse à ce point à la surveillance, que Jean-Marc Manac utilise Google, bah c'est bon, je peux l'utiliser aussi. C'est une forme de renoncement, et surtout, c'est ne pas reconnaître l'objectif politique de fuck off Google. Et moi, je pourrais répondre à cette question en 3 mots qui sont fuck off Google. On ne veut pas de ces gens-là qui participent à l'espionnage de masse. On ne les veut pas dans nos poches, dans nos vies, dans nos maisons. On ne veut pas de ces gens-là. Ils sont en train de développer des robots tueurs en absorbant les données génétiques de la planète entière, en faisant des voitures qui se conduisent toutes seules et en achetant de l'énergie. On ne veut pas de ces gens-là. On n'en veut pas dans notre monde. Donc dire on va mettre nos mails ici quand même, parce que en vrai, je pense qu'il a la flemme. Mais je lui dirai en face, hein, ça m'ennuie. Jean-Marc, si tu regardes, une bière. Je voulais faire une réaction aussi sur l'auto-hébergement. Il y a plusieurs personnes qui se connaissent plutôt pas mal qui nous disent que finalement, on va être plus facilement ciblé en auto-hébergeant qu'en utilisant les services. J'ai essayé d'éviter de rentrer
et je crois que j'ai échoué, de rentrer trop profond dans les considérations qui ont trait à la sécurité informatique. Parce que si tu veux faire ça bien, tu le sais sans doute, il faut que tu partes d'une analyse de risque rigoureuse et de la définition de modèle de menace. Tu ne veux pas dire la sécurité avec un S majuscule, il y a la sécurité pour toi, la sécurité pour toi, la sécurité pour toi, la sécurité pour moi, et il y en a des différentes. Donc j'ai évoqué sans distinction, pour justement faire un peu ce raccourci-là, la surveillance de masse qui fait partie du modèle de menace de tout le monde. On veut tous échapper à la surveillance de masse. On a tous un intérêt humain, économique, politique à échapper à la surveillance de masse. Après, il y a les modèles de menaces un peu plus spécifiques. Moi, par exemple, je suis un ami de Jacob Applebaum, de Julian Assange, et je suis allé me balader à Tarnac la semaine dernière. Donc je m'attends à être beaucoup plus ciblé que quelqu'un qui n'a jamais fait de bruit, qui s'est jamais engagé en politique et qui travaille dans une boulangerie. Donc dire ça marche ou ça marche pas, ça protège ou ça protège pas, ça dépend de qui, ça dépend de quoi et ça dépend de comment. En revanche, l'auto-hébergement, pour une bonne partie de la surveillance de masse, et quand assez de personnes l'utilisent, là, ça peut fonctionner. Si des gens, comme on disait tout à l'heure, sont tous chez Theta Neutral, chacun avec leur boîte, et s'envoient des mails de Theta Neutral à Theta Neutral, alors il est beaucoup plus dur pour la NSA d'avoir même ces métadatas, même ces traces d'activité, ces données de connexion-là. Donc, l'objectif politique, c'est celui-là. La vision, c'est celle-là. On va avoir assez de gens qui seront sur des hôtes assez distincts de Google pour que les trajets soient assez courts, pour que la surveillance de masse y soit compliquée. Et juste pour ça, ça vaut le coup de le faire. Après, on sera sans doute d'accord que le mail, c'est mort. On est foutu, on n'aura jamais moyen de sécuriser le mail. Donc, est-ce que ça va être du pond? Est-ce qu'on va tout faire via OTR et XMPP, est-ce que truc et ce machin? Et on aurait dû se poser ces questions-là il y a 15 ans déjà. Est-ce que ça va être Calliope, dont je crois il y a une présentation qui arrive, mais qui n'a pas pour but de remplacer initialement les protocoles mail existants, juste de les enrober pour éventuellement un jour les dépasser. On a un vrai problème avec le mail, et le fait est que quand tu as des choses vraiment confidentielles à discuter ou à échanger, t'as intérêt à ne pas le faire par mail. Et ça, c'est très triste, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre réponse sur cette partie-là. Merci beaucoup, Jérémy. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Quoi, c'est tout, quoi? Non, attends, il est 23. Arrêtez, déconnez pas. Je vous invite tous à aller prendre une... Alors, encore une question. Encore deux questions. Juste, oui, salut, tu as parlé du fait que c'est né il y a 30 ans, la notion de logiciel libre, tout ça. 32 maintenant. 32, oui. Je vous invite tous à lire Ivan Illich, qui a conceptualisé ça un peu avant, avec des amis, dans la notion de convivialité, d'outils conviviaux. Et en fait, le logiciel libre serait juste une application au logiciel du concept d'outils conviviaux. Voilà, c'est tout. Wow. Bonne soirée. Merci. Donc encore une dernière question. Non, il faut... Allez, une toute petite. Une minuscule question. D'accord, bon, les questions se feront autour de bière, alors. Autour d'une bière, au bar de la Bulle, ou encore mieux, avec des pâtes carbonara, parce qu'il y a des pâtes carbonara au bar de la Bulle pour le public. Allez. Et puis aussi, ce soir, à 21h, il y aura un concert là-bas au bar de la Bulle. Donc, voilà. Merci, Iris. Merci beaucoup. Merci à tous.